Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette causerie virtuelle qui nous parle d'immigration en Ontario et d'enseignement dans des écoles de langue française ici en Ontario. Je m'appelle Vincent Poirier, je serai votre animateur aujourd'hui. J'aimerais saluer les gens qui sont avec nous de partout sur la planète. On a plus de 600 inscriptions aujourd'hui. C'est très excitant de vous avoir avec nous. On a des gens d'Europe, des gens d'Afrique, des gens des Caraïbes. Ici, en Ontario, au Canada, il est 14 heures, mais pour la plupart d'entre vous, c'est le soir. Donc, bonjour ou bonsoir, c'est comme vous voulez. Si vous vous questionnez sur les avantages d'immigrer en Ontario pour faire carrière en enseignement, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez connaître les étapes pour faire reconnaître votre diplôme auprès de l'Ordre des enseignants de l'Ontario, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez connaître les possibilités d'emploi dans les 12 conseils scolaires de langue française en Ontario, vous êtes au bon endroit. Si vous avez de la difficulté à comprendre mon accent, eh bien ça, on n'y peut rien. Vous êtes pris avec moi pour la prochaine heure. Pendant la rencontre ce soir, vous allez pouvoir poser vos questions. Ça se fait sous la vidéo YouTube dans la section commentaires. Il faut bien sûr avoir un code et un compte YouTube ou une adresse Gmail avec vos courriels ou avec vos mails et vous pourrez vous connecter à YouTube pour écrire vos questions. On va essayer d'y répondre en temps réel, mais soyez rassurés, on a un beau bloc complet à la fin de la session pour répondre à vos questions. On a 4 invités de marque avec nous aujourd'hui et on va rencontrer notre première qui s'appelle Linda Sharif. Linda est chargée de projet pour l'organisme Connexion francophone. Bonjour Linda, comment ça va? Bonjour Vincent, je vais super bien. Bonjour à toute notre communauté francophone ici en Ontario et partout dans le monde, des quatre coins du monde. Donc, bienvenue à tous et merci d'être là. Et je vais super bien aussi. Excellent, parfait. On va parler tantôt de ce que c'est Connexion francophone, mais je trouvais intéressant de préciser que toi, tu es toi-même immigrante ici au Canada. Donc, tu es sûrement très, très bien placée pour comprendre ce que vont vivre tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Tout à fait, Vincent. Notre prochaine invitée, c'est Aura Maria Forero. Elle est coordonnatrice Ontario pour Action culturelle. Est-ce que Aura Maria est avec nous? Oui, bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Toi, merci beaucoup de nous avoir invités. Et bienvenue à tout le monde francophone ici. Exactement. Et merci. Et vous reconnaîtrez l'accent de Aura Maria. Ce n'est pas l'accent canadien, non, c'est un accent colombien, parce que toi aussi, tu es issu de l'immigration, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 15 ans que je suis ici au Canada. 15 ans, très bien. Notre prochain invité, c'est François Laperle. Lui, il est directeur des ressources humaines au Conseil scolaire des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. François, bonjour, bonsoir. Bonjour tout le monde. Toi, tu es le roi des ressources humaines, c'est ta passion. Tu manges des ressources humaines au petit déjeuner à tous les jours, c'est pas vrai ça? Oui, on évite la royauté, mais en général, on adore ce qu'on fait au niveau de la gestion des ressources humaines parce que c'est le plus beau métier du monde de donner des emplois aux gens. Ah, c'est beau ça, j'aime ça. Et notre quatrième invité, c'est Roch Gallien. Lui, il est directeur des normes d'exercice et d'agrément à l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Roch, premièrement, je ne comprends pas ton titre, mais j'ai l'impression qu'on va comprendre ce que tu fais d'ici la fin de la session. Roch, je crois que ton micro est fermé. Il fallait bien que ça arrive une fois pendant cette rencontre. Voilà. Alors, bon, c'est bien. Et puis, je crois que vous allez me voir aussi, possiblement. On te voit. Merci. Alors, salut Vincent. Et bonjour à toutes et tous. Et puis, on va tenter de répondre à vos questions pour face à comment devenir enseignant dans la province de l'Ontario. Parce que toi, Roch, tu as une longue carrière en enseignant, comme surintendant, comme directeur de l'éducation dans différents conseils scolaires un peu partout en Ontario. Donc, tu connais ça, le sujet, là. Oui, je me sens vieux. C'est correct. Ça, c'est tout à l'intérieur que ça se passe. De mon côté, je vous l'ai dit, je m'appelle Vincent. Je ne suis pas un expert en immigration, en éducation, encore moins en ressources humaines. Désolé, François. Moi, je suis comédien et animateur dans la vie, mais j'ai quand même 3 enfants qui fréquentent l'école en français en Ontario. Mes 2 parents ont été enseignants pendant toute leur carrière. Et même si ça ne paraît pas, moi, je suis allé
à l'école. Donc, je suis un pseudo-expert en éducation quand même. Et cette année, en plus, en tant qu'artiste, j'ai la chance d'être ambassadeur pour la campagne nationale pour le recrutement et la valorisation du métier d'enseignant. C'est la campagne qui s'appelle « Enseigner, ça me parle », parce que partout au pays, on a un gros manque, on a un gros besoin d'enseignants francophones. Il y a une grande pénurie. François, j'aimerais que tu nous en parles. Peux-tu nous décrire la situation là, actuellement dans les écoles de langue française en Ontario? On va parler peut-être de la situation un petit peu hors COVID-19 qui nous a un petit peu affecté d'une autre manière, mais parce qu'on a eu un impact cette année avec l'arrivée des nouvelles familles au Canada. Donc, on a eu une croissance inférieure qu'on a vécue cette année. Cela dit, l'Ontario français a vécu depuis les 10 dernières années une croissance soutenue de l'arrivée d'étudiants dans les conseils scolaires. La pression qu'on a eue sur nos systèmes a été très positive dans le sens qu'on a eu des croissances de l'ordre, si je prends pour Ottawa le conseil, le CPO, des croissances qui tournaient autour de 3 à 6 par année. Même chose au niveau de Toronto. Même chose aussi dans le Nord, avec peut-être des ratios, des pourcentages un petit peu moins élevés, mais toujours dans une croissance avec l'arrivée massive de la nouvelle génération de franco-ontariens qui viennent rejoindre les rangs de ceux qui étaient déjà sur place. Donc, c'est vraiment stimulant de voir tout ce qui se passe. On a eu deux concours de circonstances. C'est qu'avec la croissance, vient une forte demande d'enseignants. Donc, la croissance est arrivée à un moment où on avait aussi une marge du personnel enseignant qui s'en allait tranquillement vers la retraite. Donc, en plus d'avoir remplacé les gens qui, après avoir fait une carrière bien remplie en éducation, comme tes parents probablement, Vincent, il y a eu des gens qu'il fallait remplacer. Il y a eu aussi la croissance qu'il a fallu soutenir. Rajouter à ça le fait que les conseils anglophones, quand ils ont constaté le succès des conseils francophones, ont misé beaucoup sur les programmes d'immersion. Moi, je vous encourage à dire que c'est les programmes des conseils francophones qui sont de loin supérieurs, mais ça a mis une pression énorme sur le nombre d'enseignants disponibles pour enseigner le français. Donc, considérant le nombre d'universités francophones, il n'y a pas d'université uniquement francophone actuellement, bien, il y a l'Université de l'Ontario français qui va ouvrir officiellement en septembre, mais il y avait l'Université Laurentienne et l'Université d'Ottawa qui sont les deux principaux fournisseurs, je vais l'utiliser comme ça, d'enseignants francophones dans la province. Donc, si vous regardez la demande au niveau des conseils francophones, la demande en immersion en anglais, les départs à la retraite, on avait tout le cocktail prévu pour avoir une pénurie de main-d'œuvre et c'est le cas actuellement. La COVID est arrivée et est venue compliquer les affaires. Je pense que tout le monde le vit sur la planète. C'était, il n'y a personne qui avait mis ça sur sa table à dessin. Il y a déjà, depuis le mois de mars, qu'on est dans ce brouhaha-là international. Donc, je peux vous dire que de ce côté-là, on a eu à travailler autrement. Donc, la hausse constante fait que oui, il y a une demande au niveau du nombre d'enseignants. Voilà. Et je pense qu'on peut préciser aussi que souvent, quand on parle de la langue française au Canada, les gens de l'extérieur ont tendance à penser au Québec. Mais sachez qu'en Ontario, il y a plus de 600 000 francophones qu'on appelle des franco-ontariens. Il y a plus de 400 écoles de langue française en Ontario réparties dans 12 différents conseils scolaires. C'est un peu complexe à comprendre, mais pas besoin de comprendre ça aujourd'hui, maintenant. On veut juste vous dire que oui, il y a des francophones en Ontario. Maintenant, Linda, peux-tu nous expliquer un peu le mandat de l'organisme Connexion francophone? Micro d'abord. OK, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, oui. Connexion francophone est comme on appelle un service avant-arrivée, pré-arrivée, pré-départ. Donc, tout ça, c'est des synonymes, mais c'est la même chose. Hein. C'est un service pan-canadien, sauf, excepté le Québec. Et ce service a été lancé en janvier 2019. Il est mandaté par le gouvernement du Canada et donc par le ministère Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Et aussi, il existe, c'est-à-dire ce service-là existe aussi grâce au partenariat de cinq organismes d'est en ouest au Canada que je vais citer rapidement. Donc, je commence par la cité qui est le fournisseur national et l'organisme pour lequel je travaille. Ensuite, il y a FAN qui est l'organisme qui s'occupe de la clientèle qui s'établit en Canada Atlantique et au Maritime. Il y a aussi Aide qui sont là avec nous par la présence de Ora Maria qui va probablement se présenter ou présenter son organisme.
organismes tantôt, et aussi l'accueil francophone pour les régions des grandes prairies, donc Manitoba, Alberta, Saskatchewan, et le passerelle ouest relais francophone de la Colombie-Britannique pour la région de l'ouest canadien, donc la Colombie-Britannique et le Yukon. Notre mandat donc est d'accompagner justement à travers une série de services fournis en ligne et en personne au niveau de notre bureau au Maroc, à de futurs résidents permanents francophones ou francophiles pour les aider au mieux à préparer leur arrivée au Canada. Donc notre modèle collaboratif qui est 100% francophone fait que nous sommes vraiment parfaitement conscients des besoins des communautés francophones en situation minoritaire et le caractère justement singulier de notre service réside dans le fait qu'il a été conçu par et pour des francophones pour les aider au mieux à préparer justement cette arrivée imminente au Canada. Ah, donc vous êtes vraiment un outil assez indispensable. Ben, pour quelqu'un qui souhaite bien se préparer et bien préparer son arrivée au Canada, qui est une étape qui parfois est assez sous-estimée, ce que l'on constate nous lorsqu'on fournit des services à notre clientèle qui est encore à l'extérieur du Canada. On les encourage beaucoup à passer par cette étape-là parce qu'il y a une grande différence dans le temps qu'on gagne lorsqu'on est bien préparé, bien accompagné, et après le temps qui joue contre nous une fois arrivé au Canada si on n'est pas passé par cette étape. Donc, c'est mieux de se préparer à l'avance que de se dire « Ah, merde, j'aurais dû le faire plus tôt ». Oui, franchement, il ne faut pas se dire… Il y a une différence entre venir en tant que résident permanent et venir en touriste. Donc, il faut juste faire la part des choses. Il y a des gens qui croient peut-être que c'est aussi facile que de prendre sa valise et aller faire un voyage touristique. Non, en fait, là, c'est une nouvelle vie. C'est vraiment une nouvelle vie et une nouvelle vie, ça se prépare. C'est un peu plus compliqué. Merci beaucoup. Aura Maria, toi, tu es à Action culturelle. Comment est-ce que vous accompagnez des personnes qui veulent immigrer sur le marché du travail et s'intégrer au marché du travail ici au Canada? Bon, ça passe de ça passe par différentes étapes, mais nous, Linda vient d'expliquer au niveau national. Donc, une fois que les gens s'inscrivent sur Connexion francophone, et finalement, ils disent à l'équipe de Linda, voici, j'ai choisi l'Ontario, alors, Connexion francophone nous les envoie. Donc, nous, on entre en contact avec nos clients de l'Ontario et c'est là qu'on commence à travailler, on travaille personnalisé. Donc, là, on fait une évaluation des besoins pour savoir et connaître vraiment la personne et la famille et on analyse qu'est-ce que lui a besoin comme information, comment on pourrait l'aider. Donc, on fait les contacts par téléphone, c'est vraiment un contact une à une et après ça, on dit, OK, voici l'information que tu aurais besoin. Dans le marché de l'emploi, donc ce qu'on fait, on organise des webinaires, des séances d'information. On les dit aux clients, voici, on vous met en contact direct avec les services locaux. Donc, et selon la ville et la région choisie pour les personnes immigrantes. Alors, on a à l'Ontario, l'Ontario, c'est très grand. Donc, on a le nord, on a le centre sud-ouest et on a l'est. Donc, ça dépend le choix de la personne. On dit, OK, voici, on va te mettre en contact avec tous les acteurs du nord, si vous voulez aller au nord. Et là, on organise, il y a une foire de l'emploi, comme la cité organise des fois aussi. On les aide avec la lettre de présentation, avec le modèle de présentation, le modèle du résumé ou du CV, pour bien agir dans leur choix pour aller à l'emploi. Même chose pour tous les gens qui veulent vraiment savoir et connaître la région et les secteurs francophones. Donc, et on les met en contact avec grandir leur réseautage selon la ville choisie pour la personne à l'Ontario. OK. Donc vous, Action culturelle, c'est un peu plus ciblé, donc vraiment plus détaillé, oui. Nous, on va aller plus détaillé et on aide vraiment c'est déjà plus personnalisé avec eux. Donc, on pourrait dire d'aller même avec la personne. Est-ce qu'il y a une petite compétition entre Connexion francophone et Action culturelle? Est-ce qu'il y a une rivalité, là, qui peut mieux aider qui? Non, non, pas du tout. On est partenaires. Donc, Linda, il se charge de vraiment faire au niveau général, national. Et nous, on entre en complémentarité avec elle pour les régionales et plutôt les locaux. D'accord. Donc, on est vraiment une à une.
Je m'en doutais pas. Rock, toi, je crois que tu vas être très populaire aujourd'hui. Peux-tu nous parler du rôle de l'Ordre des enseignantes et des enseignants dans l'admission des personnes immigrantes à la profession enseignante ici en Ontario? Oui, merci Vincent. C'est une question encore très mystère pour même ceux et celles qui vivent en Ontario. L'Ordre, même si l'Ordre existe depuis déjà 23 ans, on doit l'expliquer souvent. Et donc, pour l'histoire, voici les trois mandats. On fait l'agrément des programmes. Donc, c'est mon bureau qui s'occupe de l'agrément des programmes et aussi les normes d'exercice. Je vais expliquer ça tantôt. Et aussi, on fait la certification des membres, ce qui va être important pour ceux et celles qui écoutent la conférence aujourd'hui. Et en dernier lieu, si on écoute ou si on ne suit pas, je devrais dire, les normes d'exercice, on se retrouve devant un panel disciplinaire qui doit des fois faire le redressement de certains membres, mais très peu. On oui, parle ça n'arrive pas souvent. 0,02 sur 239 000 membres dans la province de l'Ontario. Alors, pour l'agrément des programmes, très brièvement, François a touché les deux facultés d'éducation qui, pour le moment, offrent un programme de formation initiale et continue. C'est l'Université Laurentienne et l'Université d'Ottawa. Ils le font depuis nombreuses années. Nous allons avoir sur scène, pas immédiatement, mais prévoit vers l'année 2022, l'Université de l'Ontario français qui devrait offrir aussi un programme de formation initiale. Pour aujourd'hui, je vais parler plutôt de la certification des membres et qu'est-ce que les membres devraient avoir ou prévoir comme processus pour devenir certifié ici en Ontario. OK. Bien, justement, parlant de processus, François, je te lance la balle. Quel est le processus d'embauche habituel dans les conseils scolaires de langue française en Ontario? Oui, c'est bien de le préciser en français parce qu'il y a des différences entre les conseils anglophones et les conseils francophones. Du côté anglophone, je vais juste faire un petit aparté. Il y a un règlement qui existe qui s'appelle le 274-12, là, qui est un règlement qui englobe puis qui dit qu'est-ce qu'on doit faire justement dans un conseil anglophone. Du côté francophone, ce qui a été choisi, c'est qu'on a pris les éléments de ce règlement-là, ils ont été intégrés dans les conventions collectives des conseils francophones, autant du côté des conseils catholiques que des conseils publics. Ah oui, ça c'est important. Je veux juste faire la lumière, il y a beaucoup de questions. C'est quoi la différence entre un conseil public et un conseil catholique? Parce que le mot public n'a pas souvent le même sens à l'extérieur de l'Ontario. Donc, du côté de l'Ontario, il y a quatre types de conseils. Les conseils anglophones publics, conseils anglophones catholiques, conseils francophones catholiques, conseils francophones publics. Et les publics, dans le fond, c'est des conseils laïques. C'est des conseils parce que au niveau historique, les conseils catholiques parlent la façon que la Constitution a été faite, ont des droits par rapport aux gens catholiques. Ceux qui ne sont pas de confession catholique peuvent fréquenter les conseils laïcs dits publics. Mais ce n'est pas un système qui est moins bien financé. C'est le même financement, c'est les mêmes programmes, c'est les mêmes enseignants qui ont étudié dans les mêmes universités qui enseignent dans les conseils. C'est vraiment juste une différence comme celle-là qui les différencie. Je voulais juste faire cette... parce qu'on a souvent cette question-là. Donc, du côté francophone, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les gens qui ont leur carte de l'ordre des enseignants vont rentrer sur nos listes comme suppléants à court terme. Après ça, ils vont joindre par différentes règles la liste des suppléants à long terme. Et par la suite, un coup que tu as rempli certaines conditions, tu peux obtenir un poste régulier. Dans le contexte actuel, il y a plusieurs de ces étapes-là maintenant qui sont escamotées. À cause de la pénurie, il y a plusieurs gens qui arrivent directement vers les postes réguliers permanents à cause justement du fait qu'il y a tellement une pénurie partout à travers la province. Il y a quand même des obligations par rapport à passer des tests généralement pour s'assurer que le niveau de français est adéquat, ou des entrevues en bonne et due forme, comme on fait dans plusieurs, que vous connaissez tous, bien entendu, là, pour s'assurer que la personne va être en mesure d'enseigner adéquatement dans les écoles francophones de Ontario. Rock, est-ce que c'est suffisant d'avoir de l'expérience en enseignement à l'étranger pour être embauché en Ontario ou est-ce qu'on doit faire des études ici au Canada? C'est une bonne question. Non, il faut avoir des études au premier cycle, soit en Ontario ou à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais brièvement expliquer. En Ontario, si quelqu'un avait étudié dans une université de langue française ou anglaise, mais qui parle encore très bien français,
s'inscrit dans un programme de formation de 4 semestres à l'intérieur de la province pour compléter le programme et ensuite on soumet, la faculté va soumettre les noms pour la certification. Pour quelqu'un qui vient de l'étranger et qui aurait fait toutes ses études universitaires, c'est très acceptable. Il y a tout un processus toutefois. J'aimerais juste noter que pour enseigner en Ontario, on doit être certifié par l'Ordre des enseignants. On ne peut pas enseigner en Ontario sans être membre de l'Ordre. Alors, c'est la raison que c'est si important de suivre les directives. À notre site web, et j'invite tout le monde à le voir parce que c'est impossible que je puisse vous donner toutes les réponses aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'informations et ça fait de nombreuses années que l'Ordre fait la certification des enseignants qui proviennent de l'étranger. Alors, si vous allez à notre site web qui est zoeeo.ca, vous allez voir un onglet qui dit « Entrer dans la profession » et par la suite, vous allez à un autre onglet qui dit « Si j'ai étudié à l'étranger ». Et il y a une série de questions et de formulaires que vous aurez à compléter. Mais pour toute fin pratique, Vincent, on garde à quelqu'un qui a un premier cycle, donc un bac, et ensuite qui aurait potentiellement complété un programme de formation envers l'enseignement pour enseigner dans leur juridiction. À ce moment-là, lorsque vous allez remplir les formulaires, vous allez avoir une série de questions et des preuves comme des raisons. On aimerait ça prendre le mot de tout le monde. Malheureusement, on doit vérifier les preuves. Et donc, parce que depuis 2015 ici en Ontario, nous sommes allés à un programme de 4 semestres. Et dans certaines juridictions internationales et même des fois canadiennes, le programme n'est pas aussi long. Alors, on doit trouver et faire l'analyse du dossier pour s'assurer qu'il y a toutes les composantes pour ensuite être en mesure de dire effectivement, votre dossier rencontre les critères de l'Ordre et donc on peut soumettre votre nom pour devenir enseignant certifié. Je vais vous dire, ça arrive, il y a 3 façons d'être certifié sans condition. Alors, vous êtes certifié dûment, bien reconnu que vos études rencontre les critères de l'Ontario, de l'Ordre. Deuxièmement, vous pouvez être certifié, mais avec condition. Ça, faut pas se leurrer. C'est simplement de dire, il vous manque peut-être petits éléments qui sont propres à l'Ontario, comme la loi, comme tout ce qui a rapport à au peuple indigène ici en Ontario. Il y a des concepts de base qui sont peut-être enseignés ailleurs, mais qui sont propres à l'Ontario. L'enfance en difficulté est un autre dossier. Alors, quelqu'un pourrait recevoir une certification avec condition et ensuite, ils peuvent commencer à enseigner. Donc, François et son conseil et tous les autres conseils peuvent embaucher et dire, « Ah, nous avons jusqu'à 5 ans pour compléter notre programme. » À ça a été ajouté, et c'est pas l'Ordre des enseignants, mais il y a eu une autre condition que tous les enseignants, les nouveaux enseignants qui sont maintenant certifiés en Ontario, doivent passer un test de compétence en mathématiques. Pour ceux qui nous arrivent de l'extérieur du pays ou de la province, ils ont 2 ans pour compléter le test de mathématiques. Sur notre site web, nous avons des questions et réponses face à où aller pour avoir plus d'informations envers le test. Ce n'est pas l'Ordre qui gère le test, c'est l'Office de la qualité qui gère le test. Mais une fois que le test a été complété, la certification ou preuve d'avoir réussi est envoyée à l'Ordre et on peut cocher cette boîte-là qui permet d'avancer à rencontrer les conditions si c'est le cas. Mais c'est ce qui fait que des fois, s'il manque quelques cases de cocher, quelqu'un doit peut-être retourner faire certaines études avant de pouvoir enseigner. Et donc, mon bureau s'occupe de la formation initiale, comme j'ai mentionné, et de l'enseignement continu. Alors, il y a une série de cours qui sont offerts par des pourvoyeurs longs et larges dans la province de l'Ontario qui offrent des cours
pour rencontrer exactement ces conditions. Alors, dépendant de où la personne nous arrive, on est habitué, on travaille bien avec les autorités à l'extérieur du pays. Vous n'êtes pas, pour ceux et celles qui m'écoutent, les premiers à venir faire évaluer votre dossier. Alors, pour toute fin pratique, ça prend un peu de temps. Je vous invite de commencer maintenant. Et si vous êtes dans votre pays d'origine présentement, vous pouvez commencer dès maintenant. Allez à notre site web, encore oeeo.ca, ou envoyez un courriel à info@eeoe.ca. Et ça vous rend directement en lien avec le département de certification. Et comme de raison, les services sont offerts en français. Parfait. Merci beaucoup, Rock. On donne une pause, mais je pense que ce qui est important ici de retenir, c'est la préparation avant le départ. Et justement, Linda, Connexion francophone offre le service pré-départ. Vous voyez comme je tisse des beaux liens. Non, mais vraiment là. Donc, Linda, c'est quoi ce service-là pré-départ? Alors, pour Connexion francophone, c'est ce qu'on appelle, nous, la porte d'entrée unique de l'immigrant francophone qui a été sélectionné et dont le dossier d'immigration a été approuvé par le gouvernement du Canada. Donc, pour être admissible à recevoir nos services, donc, il doit premièrement être futur résident permanent ayant l'intention de s'établir partout au Canada, sauf le Québec, donc on ne fait pas le Québec, et aussi dont la demande d'immigration a été approuvée par le gouvernement du Canada. Donc, ça, c'est la première chose. Il doit bien entendu être francophone ou francophile. Et il doit aussi être encore à l'extérieur du Canada. Donc, s'il est une fois arrivé au Canada, on peut plus lui fournir de services. Donc, tant que nos clients sont encore à l'extérieur du Canada, ils bénéficient de l'ensemble de nos services sans aucune limite dans le temps et sont accompagnés à chaque étape de leur préparation avant arrivée. Donc, le client est invité, il doit s'inscrire d'abord sur notre site web www.connexionfrancophone.ca. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'il est inscrit, nos conseillères vont procéder à la vérification de ses informations, de son admissibilité. Et donc là, si tout est conforme, il va recevoir un courriel avec son identifiant, son mot de passe et puis les étapes de son parcours, c'est-à-dire ce qu'il doit suivre avec nous pour faire le parcours de l'immigrant francophone. Après cela, donc, nos conseillères effectuent l'évaluation sommaire des besoins et puis interagissent avec lui et répondent à ses questions à travers une session d'information et d'orientation sur le Canada. Généralement, ces sessions se passent en groupe ces sessions d'information sont fournies en ligne et aussi en personne au niveau de notre bureau du Maroc. Et des informations importantes sur, par exemple, la vie au Canada, le travail au Canada sont fournis dans le cadre de cette séance. Donc, une fois la session effectuée, là, il y a un référencement. C'est là, Vincent, où il y a une complémentarité entre nous et aussi nos partenaires régionaux. Donc, si par exemple, moi, je vois que le client a choisi l'Ontario, je vais me faire un plaisir de le référer à Ora Maria qui, elle, va le prendre en charge pour faire l'évaluation plus spécifique de ses besoins, pour apporter des personnes, des réponses personnalisées. Et c'est sûr, elle en a parlé, donc j'ai pas envie de... Si elle a envie de rentrer dans les détails de nouveau, je vais la laisser faire, c'est sa partie. Il reçoit pas mal d'autres services. Et puis, enfin, nous offrons aussi ce qu'on appelle des services concomitants. Donc, en parallèle de tout ça, il y a qui sont accessibles via l'espace client, donc à travers le site web Connexion francophone. Donc, ça, c'est un espace privé que pour les clients qui sont admissibles. Donc, ils ont accès à des webinaires, accès principalement autour de la thématique de l'employabilité. On essaye vraiment de fournir des webinaires. On est pratiquement à un événement par mois, au fait. Donc, il y a le webinaire, on a les formations pré-foires en ligne et on a aussi les foires virtuelles de l'emploi. D'ailleurs, la prochaine foire a lieu demain et c'est vraiment ça. On est vraiment là à essayer de faire un événement par mois. Donc, si ce n'est pas un webinaire, c'est une foire virtuelle. Les foires, c'est 4 fois par an et puis les webinaires, c'est normalement les autres mois. D'accord. Tu parlais de lancer la balle à Ora Maria. On va le faire. Mais maintenant, Ora Maria, est-ce que tu aurais le goût d'élaborer sur ce que tu fais un peu plus concrètement une fois que Linda t'a passé la balle?
Une fois que Linda me passe la balle, donc, une fois qu'on reçoit la personne, on va aller plus en détail. Donc, comme j'avais mentionné tout à l'heure, c'est plus en détail au niveau de la personne, donc au niveau personnalisé. Donc, qu'est-ce que la personne a besoin, même pour les documents qu'il doit apporter au Canada, l'information selon est-ce qu'il y a des enfants, combien d'enfants ils ont, et l'école, donc l'information concernant les écoles francophones, l'information plus en détail pour la famille ou pour la personne. Donc, c'est vraiment au niveau personnalisé qu'on rentre avec ça. Et aussi, il y a quelque chose de très important, c'est aussi la ville de choix de la personne. Parce que selon la ville de choix, on lui donne l'information de logement, de l'emploi, de où ils vont vraiment s'installer, dans les marchés dans l'intérieur de la ville. Donc, s'ils vont venir à Ottawa, donc on leur donne toute l'information concernant Ottawa, toute l'information concernant Toronto, et différents, d'accord à la ville de choix. Donc, et on les met aussi en contact au niveau des réseautages avec les fournisseurs locaux, les services d'établissement, les services d'emploi et tout au niveau régional, locaux dans chaque ville. C'est ça. Donc, c'est vraiment plus pratico-pratique, là, vraiment voilà. Concret, tandis que Connexion francophone, c'est peut-être plus un peu plus de la bureaucratie générale, si on veut. Linda, oui. Est-ce que j'ai raison? Vas-y, Linda. Bah, forcément, oui et non, il y a toujours un côté administratif, c'est sûr, mais on est quand même dans le concret, mais on est plus d'ordre général. Nous, c'est le Canada. Tu vois, comme j'ai dit, le fournisseur national. Donc, nous, à notre niveau, c'est tout ce qui concerne le Canada dans sa globalité. Ensuite, dans les parties qui sont plus spécifiques, là, c'est vraiment le rôle de notre partenaire régional qui, lui, connaît très bien sa région et est le mieux placé pour apporter des réponses personnalisées à notre client. Sinon, pour nous, comme je l'ai dit, il y a la session d'information qui déjà te parle de c'est quoi le Canada de manière générale, c'est quoi la vie au Canada, c'est quoi la culture du travail au Canada, c'est comment que je fais pour devenir citoyen canadien. Donc, ça commence déjà par cette session d'information. En plus, tu as des webinaires qui, là, vont te préparer comment est-ce que tu prépares ton entrevue d'embauche, comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu réseautes en tous les, avec un employeur, notamment en ligne, parce que nos clients ne sont pas encore ici. Donc, voilà, c'est vraiment des thématiques en lien. On a même fait un webinaire sur les professions réglementées et les métiers connexes qu'on peut faire en attendant d'obtenir ça en accréditation. Donc, tout ça, ça fait… Et puis, il y a la foire virtuelle qui est quand même un événement très attendu qui permet là de connecter des employeurs à la recherche de main-d'œuvre et des candidats qui sont sur le point d'arriver. On a d'ailleurs, je pense, 3 ou 4 conseils scolaires inscrits avec nous à notre prochaine foire. Voilà, donc il y en a, c'est vraiment une occasion unique de vraiment les mettre en lien et de les réseauter. Donc, je ne pense pas que ce soit si… C'est pas… Oui, il y a de l'administration toujours, mais c'est aussi concret. Tu fais très bien de préciser, Linda, mais règle générale, Connexion francophone plus Canada, tandis que Action culturelle plus régionale. Oui, c'est parfait. Exactement ça. Excellent. Tout compris, merci. J'ai gagné 10 points. Oh, yes! Rock! Quels sont les défis les plus fréquents que rencontrent les personnes qui immigrent au Canada lorsqu'ils veulent devenir membres de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario? C'est souvent la documentation qui manque. Alors, c'est pour ça qu'il faut se prendre très tôt. Et on comprend que dans certains pays, les institutions postsecondaires, c'est possible qu'ils n'existent plus. Nous avons des mécanismes toutefois là pour être en mesure de valider les documents. Mais je dirais que souvent, c'est manque de documentation, tout simplement, et preuves et attestations. Alors, c'est la raison, c'est de commencer tôt et de suivre le formulaire. Et vous allez voir, pour certains, je sais que si vous êtes déjà et encore à l'étranger, on vous demande souvent pour un numéro d'assurance sociale. Bon, mais lorsque vous allez communiquer avec l'Ordre et vous commencez vers la deuxième page du formulaire, vous l'envoyez à l'Ordre, ils vont vous soumettre un numéro d'identification. Ce numéro-là est très important. C'est vraiment le pistage de votre dossier à travers toutes les étapes pour devenir certifié à l'Ordre. Alors, ne pas le dévoiler à qui que ce soit, le maintenir près de vous, parce qu'une fois que vous allez avoir votre certification, ce numéro-là devient votre numéro
de demande à l'ordre. Et vous devez ensuite, pour vous faire embaucher, François va être en mesure de vous parler davantage sur l'embauche, vous aurez besoin de faire preuve d'être membre de l'ordre. Alors, pour certains, c'est très facile. Dans des cas, ça peut être plus compliqué et ça dépend de la situation. Mais je vous dis, là, et je travaille de près avec les membres de certification, au-delà d'une centaine de pays avec qui on transige depuis de nombreuses années et on connaît les situations. Un autre problème, c'est les noms de famille des fois qui sont incomplets. Et je comprends pour certains, vous avez plusieurs noms de famille. C'est mon cas aussi. Et donc, il faut s'assurer qu'ils sont en bon ordre. Si quelqu'un était marié, n'est plus marié, c'est encore des exemples d'informations qui, des fois, c'est simplement d'avoir une conversation. Lorsque vous allez écrire à l'ordre, demandez, il y a des sessions d'information, demandez de parler à quelqu'un de vive voix et ensuite, vous allez pas par pas. Via votre numéro, vous allez être en mesure de vous pister et à savoir à quelle étape vous êtes rendu et si des documents sont en attente ou non. Le système est vraiment rodé bien pour s'assurer qu'on ne laisse pas personne en attente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exemples où des fois c'était plus compliqué, on se comprend. Mais pour la grande majorité, ça devrait se faire quand même assez bien. Et donc, une phrase là, pour rassurer les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être stressés là, ou que ça les inquiète vraiment, ce processus-là. Comment tu peux les rassurer? Là? Soyez vigilants avec l'information que vous allez nous donner. Commencez dès maintenant parce que ça peut prendre un peu de temps. Et ça, c'est aussi vrai pour les personnes, les finissants de l'Ontario. C'est aussi vrai pour les personnes qui nous arrivent un bout à l'autre du Canada. Alors, parce que nous sommes l'organisme par lequel vous devez passer pour la certification, il y a des moments qui sont plus achalandés au cours de l'année. Alors, je vous invite de commencer dès maintenant à vous inscrire et entamer le processus. Je pense que le mot d'ordre à date aujourd'hui, c'est de se préparer à l'avance. Effectivement. Linda, toi, est-ce que tu as un message que tu aimerais livrer à tous ceux qui souhaitent venir enseigner ici en français en Ontario? Ah bah oui, je pense que oui. Alors premièrement, c'est le maître mot, c'est être préparé. C'est être préparé et bien organisé pour collecter un maximum d'informations afin de comprendre qu'est-ce qu'une profession réglementée telle que l'enseignement, ainsi que le temps, l'énergie et les ressources à y consacrer afin d'atteindre son objectif. Je suis très à l'écoute de ce que dit Rogalien parce que oui, effectivement, vous pouvez préparer votre dossier d'accréditation avant votre arrivée. Donc, c'est vraiment un gain de temps inconsidérable que malheureusement des fois c'est encore une fois sous-estimé ce côté pré-arrivé hein. Donc deuxièmement faire preuve de flexibilité notamment par rapport aux postes qui seront peut-être convoités ou occupés avant l'obtention de son accréditation, donc peut-être que profiter de cette période pour continuer à s'auto-éduquer via la formation continue, réseauter et aussi peut-être postuler pour des métiers connexes hein, qui se rapprochent un petit peu du milieu de l'enseignement. Ça peut être formateur, ça peut être surveillant, ça peut être coordonnateur de programme, quelque chose comme ça. Je dirais troisièmement, on le voit, hein, tout arrive à point à qui sait attendre et qui est bien organisé et persévérant aussi. Donc, il est vrai que pour pouvoir exercer pleinement son métier, sa passion d'enseignant, cela requiert, en tout cas ici, cela requiert quand même un certain nombre de sacrifices, de ressources, mais le retour sur investissement, une fois l'accréditation obtenue, est juste à la hauteur de l'engagement et des efforts fournis parce que, un emploi stable, un bon salaire, des avantages sociaux et des vacances. Donc, que demander de plus, hein? Yeah, oui! Et puis, enfin, je ne peux pas passer à côté de ça. Hein. Je dirais qu'enseigner et transmettre son savoir en langue française est aujourd'hui plus important que jamais, car le plus nos collectivités francophones en situation minoritaire s'agrandissent, le plus de services pour les francophones en aura. C'est aussi simple que ça.
Donc, je pense que vous l'aurez compris, hein, la croissance et le rayonnement de la communauté francophone passent aussi et surtout par l'enseignement en langue française. Ah, voilà. Et puis, justement, vous autres, dans le conseil scolaire public de l'Est de l'Ontario, le CEPEO, François, il y a énormément d'enseignants qui sont issus de l'immigration. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour appuyer ce personnel-là qui arrive chez vous, dans votre conseil scolaire? On va parler en général de… Il y a eu des initiatives qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation qui a été surtout pour les nouveaux enseignants. On a appelé ça le programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. Mm-hmm. Vous avez entendu peut-être l'acronyme PIPNPE. Donc, il y a eu depuis quelques années une sensibilité au fait qu'il y avait plusieurs personnes. Puis, un des éléments que je n'avais pas nommé dans la pénurie, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la profession après quelques années seulement pour diverses raisons. Donc, les programmes d'insertion ont servi justement à accompagner justement les nouveaux enseignants qui, pour toutes sortes de raisons, avaient de la difficulté à s'intégrer dans la profession. Et il y a un programme d'accueil, programme de soutien, formation, etc., etc., des mentors. Donc, ça a été mis en place. Le programme, à l'époque, n'a pas été réfléchi pour faire une différenciation ou être ajouté aux personnes qui arrivent d'ailleurs puis qui n'ont pas connu le système franco-ontarien. Originalement, ça n'existait pas. Parce que, bon, la minute que tu as la carte de l'ordre, tu es techniquement apte à enseigner dans une école ontarienne. Mais on comprendra qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu un modèle d'éducation qui est complètement différent du système ontarien. Apprendre le curriculum d'enseignement de l'Ontario, c'est une chose. Dire, bon, qu'est-ce que je montre en sixième année en français, en mathématiques, etc. Tout ça, ça s'apprend. C'est quelque chose qui est technique, si on veut, là. On peut l'apprendre. La différence, c'est tout le savoir-agir et le savoir-être dans la salle de classe avec des jeunes qui sont complètement différents les uns des autres, qui ont changé au cours des années. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de difficultés, principalement au niveau de la gestion de la salle de classe, qui est souvent le maillon faible des gens qui arrivent soit de la faculté qui ont étudié tout leur programme, si vous voulez, en Ontario, ou même d'ailleurs, parce qu'il y a une relation différente entre les jeunes ici au Canada qui peut varier d'un pays à l'autre, et ça, il faut en être conscient. Les facultés d'éducation travaillent avec nous autres actuellement justement pour justement améliorer les programmes où on va montrer aux jeunes comment justement faire une gestion de classe plus efficace. Il y a aussi tout le phénomène de l'autisme, le trouble du spectre de l'autisme. On a une augmentation constante d'élèves avec des problèmes en enfance en difficulté. Donc, des programmes où on va appuyer l'élève, justement, qui a diverses difficultés. Donc, il faut former nos enseignants par rapport à ça. Donc, ça, c'est tous des programmes aussi que les conseils ont eu à prendre la relève parce que les facultés ne peuvent pas tout faire. Et il y a des disparités aussi d'un conseil à l'autre en fonction des régions. Il y a beaucoup plus d'immigration à Toronto et à Ottawa qui peut en avoir dans le Nord, c'est un constat. Donc, il va y avoir des gens qui arrivent, comme on va parler, disons, de la vague d'immigration syrienne qui est arrivée il y a quelques années là, déjà. Là, ça fait déjà deux ans, là, trois ans, là, je parle le compte. Mais on a eu à mettre en place des programmes pour des gens qui ne parlaient ni le français ni l'anglais. Donc, il a fallu qu'on adapte tous nos processus d'enseignement à ces classes-là. On appelle ça des classes d'accueil chez nous, pour justement permettre aux gens de débuter l'apprentissage d'une nouvelle langue. Donc, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu as grandi en Ontario ou tu arrives comme pour une deuxième carrière en Ontario avec l'immigration, il y a des défis justement à faire ça. Et donc, les conseils n'ont pas initialement, si vous voulez, ajusté leur formation par rapport à d'où la personne vient. C'est plus des formations générales, je vais le dire comme ça, qui touchaient tout le monde. Oui, c'est ça. Il y a une sensibilité accrue maintenant pour l'inclusion. C'est un sujet qui est à l'ordre du jour. Nous, par exemple, on vient de recruter notre commissaire à l'équité et l'inclusion. La personne va débuter prochainement, justement, dans son nouveau mandat. Et c'est justement un de ces mandats-là qui va devoir regarder comment on peut mieux accompagner les gens. Du côté des ressources humaines, on avait mis en place tout un programme qui devait débuter au mois de mars. Il est arrivé un petit virus qui s'appelle la COVID qui a tout retardé nos choses. Je connais pas. On n'a pas été capable de lancer notre nouveau programme, justement. On cherchait à accompagner avec des formations un peu plus adaptées. Donc, toute la formation d'accueil ont dû être repensée pour justement qu'on a fait des séances de formation, malheureusement, plus axées sur la sécurité, le port des équipements de protection individuelle, comment ne pas attraper la COVID, etc. Donc, ça a complètement changé notre approche cette année par rapport à où on voulait être. Donc,
Bon, j'ai fait un long détour là, pour arriver à dire que oui, il y a des programmes qui devaient être mis en place, sont toujours juste à côté, sous le coude actuellement, mais dès qu'on a l'occasion, on va les relancer justement parce que c'est une priorité pour nous pour bien accueillir justement tout le monde qui va arriver de partout à travers, que ce soit de l'Ontario, que ce soit d'ailleurs du Canada et d'ailleurs dans le monde. Donc, les enseignants qui arrivent ne sont pas lancés dans le tas, comme on dit ici. Il y a quand même des choses pour les aider à s'adapter et à se préparer une fois qu'ils arrivent. Oui, bien, le lancer de l'enseignant est interdit par la loi. Fait que ça, je veux vous rassurer là-dessus. On les accueille plus qu'on les lance. C'est ça, donc, c'est voilà. Fini, ça, hein, lancer des enseignants. On lance pas. Lancer des enfants aussi, c'est fini, je pense. C'est pas bien vu. Donc, ce qu'on essaye, c'est vraiment de les accueillir pour qu'ils puissent eux aussi accueillir les élèves qui sont dans nos écoles. Excellent. Toi, Aura Maria, as-tu déjà eu à travailler avec des enseignants pour l'aider à se placer en Ontario? Oui, on a déjà, on reçoit beaucoup des enseignants dans notre programme. Et nous, on les essaye de les conseiller. Et comme Linda dit tout à l'heure, on les dit, oui, tu vas être professeur, tu pourrais avoir un travail comme enseignante. Mais essaye de t'adapter et commencer même pour la suppléance. Pourquoi? Parce que, comme Rox a dit tout à l'heure, il faut que pour être enseignant, tu dois être partie de l'ordre. Mais pour commencer, pour faire quelque chose, c'est commencer même dans un emploi d'administration. Donc, on essaie de les conseiller de faire un transfert de connaissances pour rentrer déjà dans les conseils. Une fois que tu es dans les conseils, tu commences à faire les papiers, la formation que tu as besoin pour déjà devenir enseignante. Et non plus, ne pas se décourager. Mais on essaie vraiment de les aider, les conseiller, donner tous les outils qu'ils auront besoin. Oui, parce que c'est important ce que tu dis, c'est que dans les écoles, il y a beaucoup de postes autres que des enseignants où on peut apprendre à comprendre la comment ça fonctionne dans une école, la structure, la façon la de faire. La culture d'entreprise, oui. Exactement. Donc, ils vont vraiment comprendre comment ça fonctionne et au moment qu'ils vont devenir vraiment les enseignants, ils connaissent déjà les structures, comme tu mentionnes tout à l'heure, de l'école et les conseils. Donc, vraiment apprendre la culture d'entreprise des conseils scolaires. Parfait. Mais même pour les enfants, on dit toujours aux parents, quand tu as des enfants, il faut les garder dans l'école francophone, tes enfants vont apprendre. C'est une richesse vraiment d'avoir le français à l'Ontario. Tu vas avoir plus de possibilités d'emploi. Alors, c'est vraiment bien. Et je peux poser une question plus tard pour une de nos invités aussi? En fait, on était rendu à la période officielle des questions. Je pense que le public ne se peut plus d'attendre. Donc, on peut commencer avec ta question, Aura Maria. Merci beaucoup. Là, ma question, c'est soit pour Roche ou pour Françoise. C'est que nous, clients ou les clients qui sont avec nous, ils essayent d'appliquer pour les postes d'enseignante et des fois aussi ils les demandent l'anglais. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir aussi les connaissances d'anglais vu qu'on est à l'Ontario pour qu'ils puissent s'enregistrer ou rentrer dans un emploi chez vous? Donc, je vais y aller. Si tu veux compléter, tu pourras y aller. C'est une belle question. L'Ontario est une province majoritairement anglophone, on ne peut pas s'en cacher. Les conseils francophones, aussi drôle que ça puisse paraître, on a beaucoup de difficultés à recruter des profs d'anglais, surtout au niveau du secondaire. Techniquement, pour les profs de l'élémentaire, parce que vous savez que ça marche par cycle, on a les profs qui sont, puis Rock pourra le préciser, mais primaire, moyen, les gens peuvent enseigner de la maternelle à la sixième. L'intermédiaire, ce qu'on appelle l'intermédiaire, c'est la 7e, 8e, 9-10, puis après ça, le supérieur qui est 11-12, 11 jusqu'à la 12e année. Donc, pour les cours de secondaire, généralement, les gens vont avoir des qualifications en anglais pour pouvoir enseigner en anglais. Quand on parle de l'élémentaire, de la maternelle à la 8e année, les gens techniquement sont formés pour enseigner sur toutes les matières, incluant l'anglais. Cela dit, il y a quand même des défis au niveau de la langue anglaise, on le sait. Parce que quand on arrive d'un autre pays, on va souvent, des fois, les gens parlent souvent 3-4 langues déjà. On va parler, on va parler le Wolof d'un côté, on va parler le français si on arrive du Sénégal. Et après ça, ben, l'anglais, c'est peut-être juste la troisième langue qu'on va apprendre. Donc, et c'est déjà vraiment fantastique, là, je ne le critique pas. Donc, c'est beaucoup de travail pour les gens d'apprendre, d'aller maîtriser une autre langue. Les écoles s'organisent souvent
pour répartir l'anglais avec des spécialistes. Ou quand la personne n'est vraiment pas capable d'enseigner l'anglais, on va trouver des solutions parce que malheureusement, des fois, il y a des élèves qui en savent plus que certains enseignants au niveau de l'anglais, je parle, de la façon de parler, de le prononcer. Donc, il y a moyen de s'organiser. Les conseils sont conscients que la langue anglaise n'est pas maîtrisée de la même façon par tout le monde. Mais oui, on va vérifier le niveau d'anglais. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr et certain qu'on ne se privera pas d'un bon prof s'il ne maîtrise pas l'anglais. Si c'est ça la question, je peux vous dire, on va lui trouver une place au niveau. Mais par contre, si vous parlez l'anglais, je vous dis, on a de la difficulté d'en trouver pour qu'ils vont venir enseigner du côté francophone. Surtout dans notre centre Ottawa, Toronto, ils ont le même défi. Et c'est bizarre à dire ça, mais c'est toujours un défi. Oui, non, merci beaucoup. C'est rassurant savoir, mais surtout pour les francophones, savoir que même s'ils n'ont pas un bon anglais, ils vont avoir un emploi parce qu'ils ont un bon français. Ils sont vraiment de bonnes personnes. On a vraiment des personnes très qualifiées françaises. Donc, et on est, des fois, on dit, non, ne vous découragez pas, vous pourrez y arriver. Alors, pour les ordres des enseignants, c'est là qu'on trouve certaines barrières. Et est-ce qu'il y a des formations qui, au moment donné, les gens pourraient faire à court temps? Parce que là, j'écoutais tout à l'heure que tu disais qu'il y avait 3 cours que les gens doivent prendre ou quelque chose, Roche? Oui, alors la question est vraiment une question d'employabilité. Alors, pour l'autre, on vérifie tout simplement s'il parle une de deux langues. Alors, il y aura des tests de compétences linguistiques pour l'admission au programme de formation, si c'est le cas. Et pour l'international aussi, il y a des tests pour savoir si l'individu parle soit français ou anglais. Mais de parler les deux, François vous a donné une réponse parce que ça ne revient pas à l'ordre. Toutefois, dans des cours de qualification additionnels, une fois qu'ils sont certifiés, il y a définitivement des cours d'anglais qu'ils peuvent prendre sur comment enseigner l'anglais, mais le cours va être offert en anglais, donc ça donne une occasion de pratiquer la langue. Mais au niveau de la certification, nous autres, on sait soit que vous voulez être certifié pour enseigner en français ou être certifié pour enseigner en anglais et aussi l'immersion, comme des raisons. Ah, excellent, c'est super! Rock, je te garde avec moi et en même temps, je rappelle aux gens que s'ils ont des questions à nous poser, faites-le sur YouTube. Rock, est-ce que les gens peuvent soumettre un casier judiciaire du pays d'origine? Oui, effectivement. Donc, on a parlé tantôt de commencer tôt pour s'inscrire, pour devenir membre. Alors, il faut que le casier judiciaire, la place d'origine, le pays d'origine soit au moins en dedans du 6 mois pour être en mesure de compléter la demande de certification. Ayant dit ça, je le sais, et puis je parle pour François parce que j'ai déjà été là, le conseil va aussi vous demander, fort probable, un casier judiciaire s'il est au-delà de 6 mois. Mais pour la certification de l'ordre, effectivement, si vous êtes à l'étranger, vous commencez votre demande de votre pays d'origine, et si ensuite vous devenez résident en Ontario et que vous n'avez pas commencé votre demande, il va falloir qu'il vienne de l'Ontario. Et en fait, je pense que c'est important de préciser, là, on ne vous demande pas d'avoir un casier judiciaire pour enseigner, ce n'est pas ça. Hein? C'est plutôt une preuve qu'on n'a pas de casier judiciaire, c'est bien effectivement. Ça? Effectivement. OK, oh, oui, c'est important de préciser ça. Oh, oui, Vincent, on cherche des gens qui ont une absence de casier judiciaire, surtout pour le secteur vulnérable, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens vont travailler avec des enfants. Donc, c'est important pour nous de savoir qu'on place, que nos enfants sont en sécurité dans toutes les écoles de tous les conseils, mais tous les conseils de l'Ontario. Quoi. C'est le même règlement qui s'applique. Pour ceux qui voudraient aller faire une recherche, c'est le règlement 521 qui s'appelle collecte de renseignements personnels. C'est une obligation légale par la loi. Exactement. François, on rentre dans la portion excitante et intéressante. Parlons salaire. Combien on peut espérer gagner en moyenne en tant qu'enseignant ou enseignante en Ontario? Écoute, c'est fantastique comme question parce que les conditions de l'Ontario sont parmi les meilleures au Canada. Donc, un enseignant qui débute pourrait débuter autour de 45 000 $ canadiens, mais les fourchettes salariales vont jusqu'à presque, on est rendu presque à 100 000 $ maintenant. Quelqu'un qui a une dizaine d'années d'expérience en Ontario et qui répond aux qualifications. Parce qu'il y a des certaines règles au niveau du salaire, mais ça se situe autour, la fourchette est de 40 000, disons, jusqu'à presque 100 000.
Donc, c'est vraiment intéressant. C'est encourageant, ça. On va y aller un peu plus rapidement. Oh, oui, je veux juste rajouter une chose. Oui. Il y a un régime de pension extraordinaire. Il ne faut pas le perdre de vue que le régime de pension des enseignants de l'Ontario, les enseignants, je parlais de la pénurie des départs à la retraite, les gens peuvent quitter aussitôt que 53, 54 ans pour une pleine retraite. Et c'est un des meilleurs régimes au Canada. Donc, ça, il ne faut pas le perdre de vue aussi que tu as travaillé au Canada, tu as travaillé en éducation et après ça, pour ta retraite, tu vas recevoir une rente qui est très généreuse par rapport à un salaire qui a été quand même augmenté assez régulièrement depuis des... Les conditions sont excellentes, je peux vous le dire. C'est comme ça que mes parents ont pris leur retraite aussi à 52, 53. Ils voyagent partout dans le monde. Ils ont une très, très belle vie aujourd'hui. Voilà. François, est-ce qu'on peut postuler directement à un conseil scolaire de l'étranger? Postuler, c'est faisable. Le défi qu'il y a, c'est deux choses. Un, il faut avoir sa carte de l'ordre. Parce que si on n'a pas la carte de l'ordre, le numéro de l'ordre, puis qu'on a un dossier de l'ordre, vous allez être considéré comme un enseignant non qualifié. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a quand même des règles au niveau de l'immigration, puis d'avoir le droit de travailler au Canada selon les spécificités du permis qui a été accordé à l'individu pour rentrer au Canada. Nous, on travaille beaucoup avec Immigration Canada. On a fait des pieds et des mains pour garder des gens avec des différents programmes qui existent. On n'a pas de contrôle là-dessus. C'est ça qui est difficile. Donc, mais on essaye d'accompagner nos employés le plus possible là-dedans. Mais c'est sûr et certain qu'il n'y a rien qui les empêche d'appliquer. Mais il faut avoir quand même toute la paperasserie nécessaire pour avoir le droit de travailler au Canada. Parfait, merci beaucoup. Rock, il y a quelqu'un qui nous écrit du Manitoba, ce qui n'est pas un autre pays, hein? C'est une province au sein du Canada, mais qui nous demande si leur certificat d'enseignement peut être transférable en Ontario, comment ça fonctionne rapidement. La réponse est oui. Et donc, ça tombe sur une autre loi, un accord entre toutes les provinces du Canada, qui dit que si on est certifié dans sa juridiction, dûment certifié avec sa certification d'enseignant, vous n'aurez qu'à faire demande, encore une fois, via le même site web, mais il y a un autre onglet qui dit « Je proviens d'une autre province » et vous cliquez sur l'onglet. Effectivement, sous cette entente-là, qu'on appelle mobilité, on peut transférer d'une province à l'autre. Et ça, c'est peut-être intéressant pour certains membres qui nous écoutent aujourd'hui, si vous êtes intéressé d'aller à une autre province et que vous devenez certifié dans cette autre province-là et qu'à un moment donné, vous décidez de revenir en Ontario, vous allez suivre le même processus que je viens d'expliquer. Mais d'abord et avant tout, il faut être certifié dans la juridiction initiale. Excellent. Mes chers amis, est-ce que vous auriez autre chose à rajouter pour convaincre les gens de venir ici enseigner en français en Ontario avant qu'on termine? Jacques, je te laisse la parole. Oui, bien, je peux me permettre que François, il y en a discuté au début, mais on parle d'une pénurie d'enseignants présentement, mais sachez que la pénurie des enseignants pour l'éducation langue française, date déjà de au moins 5 ans. C'est rien de nouveau. C'est dans les manchettes plutôt maintenant, parce qu'il y a une pénurie partout en Ontario, autant en français qu'en anglais maintenant. Toutefois, ce que je demande aux personnes qui nous écoutent, lorsque vous allez faire demande à l'ordre et vous allez vouloir une certification pour enseigner dans les écoles de langue française, s'il vous plaît, et comme membre de la profession, bon francophone de la province de l'Ontario, donnez la chance au conseil scolaire de langue française de vous embaucher avant de peut-être considérer autre option. Alors, ça, c'est venant de, pas nécessairement Roch Gallien, le directeur des normes, mais d'un ancien directeur d'éducation qui a géré un conseil scolaire de langue française et qui réalise l'ajout d'avoir tout le monde qui fait partie du personnel enseignant dans un conseil de langue française. Merci. Merci beaucoup, Rock. Et l'adresse Internet, une dernière fois, pour l'Ordre des enseignantes et des enseignants, s'il vous plaît. oeeo.ca. Et vous allez voir, il y a amplement d'informations, mais allez au haut, entrez à la profession et suivez les directives, s'il vous plaît. Merci beaucoup. François, un petit mot de la fin? On a parlé beaucoup des enseignants, bien sûr, c'était le but, mais il y a d'autres métiers aussi qui sont en pénurie. On cherche des gens dans à peu près toutes les professions.
Donc, si, disons que le conjoint ou la conjointe est enseignant, puis on se demande s'il y aurait du travail pour le conjoint ou la conjointe qui n'est pas enseignant, il y a plein de jobs possibles, il y a plein de formations disponibles en Ontario et on cherche des francophones qui vont avoir le goût d'aider cette jeunesse-là à s'éduquer. Et il y a un rôle pour tout le monde, autant la secrétaire d'école, autant la technicienne en éducation spécialisée, les psychologues, même des gens en gestion des ressources humaines, si on veut travailler dans ce domaine-là, il y a des demandes, la demande dans tous les domaines. Donc, j'invite aussi à ne pas hésiter de regarder sur les sites des conseils où les offres d'emploi sont affichées. Vous allez avoir une idée de qu'est-ce qu'on recherche justement actuellement, les compétences qu'on vise, les diplômes, etc. Je pense que ça pourra vous aider aussi dans votre réflexion à savoir si vous voulez venir en Ontario. Et l'Ontario est la plus belle province du Canada, je tiens à le dire. On a eu de la neige aujourd'hui, c'est de toute beauté dehors. Donc, mais il en demeure pas moins que c'est extraordinaire les quatre saisons et je vous invite à voir ça un jour. Là, vous ne voudrez pas repartir. Et le site web de ton conseil scolaire, François, rapidement? Oui, c'est le cepeo.un.ca, toujours avec le www avant. Parfait, merci beaucoup. Aura Maria Forero, un petit mot de la fin rapide. Oui, je suis d'accord avec mes deux collègues dans la présentation d'aujourd'hui. Bienvenue à l'Ontario, on est là pour vous aider. On va vous donner toute l'information, on va vous donner l'information personnalisée et on vous attend avec les grands bras ouverts. Et vous êtes toujours bienvenue à l'Ontario. Alors, et pour vous contacter, pour contacter avec nous, ça va être aussi www.connexion.francophone.ca et predepartontario@ed.org. Donc, vous êtes tous bienvenus et on attend pour vous. Merci beaucoup. Et Linda Sharif, finalement, mot de la fin. Bah, mot de la fin, je vais vraiment rester sur ce côté préparation. Soyez proactifs. Voilà, c'est vraiment mon conseil pour tous les participants qui nous suivent aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé les interventions de Roch Gallien et aussi François Laperle parce que ça parle vraiment de proactivité. Allez voir, n'ayez pas peur de la quantité d'informations. Peut-être que c'est vrai que tu disais tantôt, Vincent, au début, que moi-même, je suis passée par ce processus d'immigration, donc je sais un petit peu de quoi je parle. Des fois, la quantité d'informations qu'on retrouve est effrayante. On ne sait pas. Il y a toute l'information, mais on ne sait pas exactement où aller chercher. Donc, quand on ne sait pas où aller chercher avec toute la charge déjà qu'on a pour préparer son immigration, ça fait qu'on est un petit peu perdu. Et quand on est perdu, des fois, après, on se décourage, surtout quand on n'a pas d'aide. Donc, c'est pour ça que, nous sommes là pour vous aider, justement. Et deux, soyez vous-même proactifs. Allez-y, n'ayez pas peur, cherchez l'information, fuinez dans les sites web. Il y aura toujours une adresse courriel, il y aura toujours un numéro de téléphone, il y aura toujours une personne qui sera prête à vous répondre et à vous aider. J'ai adoré ça. Site internet ou adresse mail, courriel? Oui, alors, donc, Aura Maria l'a dit, c'est www.connexionfrancophone.ca et puis l'adresse courriel, c'est info@connexionfrancophone.ca. Facebook, c'est la même chose, c'est connexionfrancophone.ca. On sera plus que ravis de vous accueillir, de vous servir et de vous accompagner dans votre processus de préparation de votre arrivée au Canada, hors Québec. Alors, Linda Sharif de Connexion Francophone, Aura Maria Forero de Action culturelle, Roch Gallien de l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, François Laperle du CEPO. Merci à vous quatre. Vous m'avez donné le goût de déménager, sortir du Canada pour réémigrer ici. Ça, c'est à quel point vous m'avez passionné aujourd'hui. À tous ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été là. On va vous inviter à remplir un petit sondage après que vous allez recevoir par courriel, mais on devrait aussi le mettre dans le chat YouTube. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous écrire un courriel. Les adresses sont sur le site enseignerenfrançais.ca. Consultez le site web aussi enseignerenfrançais.ca pour avoir plus d'informations. Et on va y déposer, en fait, la causerie, l'enregistrement d'aujourd'hui. Ce sera sur le site web enseignerenfrançais.ca. Notre prochaine causerie s'adresse, en fait, aux élèves du niveau secondaire en Ontario qui pourraient potentiellement s'intéresser à la profession enseignante. Je vous dis merci beaucoup et bienvenue en Ontario. Bye!